Salut les viewers, c'est Marcus Bonus, et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Robocraft. Comme vous voyez, nous sommes sur un nouveau garage, une nouvelle baie en tout cas. Excusez-moi, j'ai du caca dans les yeux. C'est parce que comme j'ai joué avec mon caca tout à l'heure. Et donc bref, nous allons essayer de construire tout simplement un robot, chers amis, ça fait longtemps. Ça fait extrêmement longtemps. Un robot sur une base de 3. Et donc, pour commencer ce robot, j'aurais besoin d'une ligne. D'une ligne parfaite. Et j'ai oublié d'ailleurs de réclamer mon revenu entre guillemets Robominitis, qui est un petit peu dommage. Faudrait que je pense aller le faire. Hop, non, c'était bien là. C'était dans I, c'était dans armement. Est-ce qu'on en a bien deux? On en a même quatre. Parfait. Alors, j'aimerais voir là où c'est le plus. Voilà, ici. Crac, parfait. Ok. Hop. Donc, on reprend les cubes classiques. Hop, 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 hop. Voilà. Ici, crac. Est-ce que je... Non, je vais plutôt remettre un comme ça. Parce que ça dépasse à peine. Ouais, c'est ça, ça dépasse à peine. Hop, ici, on va mettre ça. Ici, on va mettre ceci. Hop. Là, on va mettre ça. On va essayer de faire un robot assez rapidement. Pour essayer d'aller le tester dans l'épisode. C'est pas dit que j'y arrive, mais on va essayer. Donc là, ça ne passe pas. C'est dommage, j'aurais bien aimé que ça passe. Hop. Hop. Oui, tiens, on va faire ça comme ça. Regardez. Hop. C'est pas le bon. Ici, voilà, parfait. À l'arrière, on va laisser ça comme ça. C'est fait exprès. Crac. Crac. Ok. Bon, jusque là, c'est très très simple. Ici, j'ai fait une petite bourde, voilà. Et donc, on a deux... on va appeler ça des pylônes, des piliers. Vous appelez ça comme vous voulez, chers amis. Hop. Hop. Crac. Ok, jusque là, on est bon. Hop. Mince, voilà. Voilà. Hop. On continue notre petit petit manège. On va essayer de descendre de quelques points. Hop, voilà. Normalement, de mémoire, c'était cette touche là pour moi, d'accord, ok. Bon. Sinon, j'espère que tout va bien pour vous, chers amis. À l'arrière, à l'arrière, à l'arrière, j'aimerais modifier quelques petites choses. Je pense qu'on va prendre des cubes de ce genre-là. J'ai dit de ce genre-là, merci. Hop. Crac. Hop. Ok. Hop, on viendra plus précisément dessus un peu plus tard dans la vidéo. Ok. Et normalement, là, nous sommes plus ou moins bons. Ok. Maintenant, j'aimerais qu'on continue peut-être à baisser d'un cran encore. Hop. On va bien voir hein, ce que ça va donner ensuite. Hop. Voilà. Crac. Excusez-moi, j'ai à moitié mal à la gorge ce matin. J'ai la voix qui est pas réveillée littéralement. Ça va s'entendre. Hein. Ça va s'entendre. Alors je dois admettre que, chers amis, j'ai été très 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 surpris de la mise à jour d'hier. Et quand je dis très surpris, je parle d'agréablement surpris. Ce qui est assez rare pour Robocraft pour en tout cas le noter. Donc voilà, ça c'est fait. On l'a noté. Apparemment l'équilibrage était bon. Ça m'a surpris. C'est ce qui m'a le plus surpris dans Alors y a rien qui les relie. D'accord, c'est parce qu'il considère que ça c'est un cube complet. Enfin c'est une pièce complète du vaisseau. Ok, pourquoi pas si tu veux. Hop. Ok, donc maintenant on va essayer de ramener tout ça de manière centralisée, si je puis dire. Mais avant ça, je vais quand même donner un petit peu de corps
à ceci. Ça peut vous sembler complètement anodin, mais pour moi, ça va être important, je pense, de rendre à ce robot quelque chose d'un peu plus physique. Hop. Et normalement, je devrais être à même aussi d'en faire pareil. Voilà, en dessous. Si j'arrive à les mettre dans le bon sens, voilà. Ce qui donne une protection, encore une fois, supplémentaire à cette barre, si je puis dire. Hop. Hop. Et surtout, ce qui va permettre de relier un petit peu plus tout ce qui est les deux côtés de ce robot. Hop. Crac. Alors, je reverrai si c'est pas assez solide, chers amis, vous inquiétez pas. La seule chose que j'espère, vous me connaissez, c'est que quand je vais arriver à la fin, je vais avoir suffisamment de... Alors, normalement, c'est celui-là, alors. Non, bah non, c'était bien ça. Hop, voilà, ok. Donc ça, c'est plus ou moins bon. Hormis peut-être ce détail. Mais c'était pas prévu que ce soit comme ça, mais ça va peut-être rajouter une couche supplémentaire de protection. Ok. Et maintenant, on va essayer de tout ramener vers l'avant. Vous allez voir. Crac. Hop. Voilà. Ça va être ces cubes là. Là aussi. Et un cube comme ça ici. D'accord. Ici, ça va être un cube. Où est-ce qu'ils sont? Ici. Même si ça fait très bizarre ici. Donc non, c'est pas ça qu'on va faire. Alors, comment je peux faire pour tout ramener? Pour tout ramener. Ça sera quoi ici? Ce sera un cube de ce genre là. Ensuite, ce sera un cube comme ça. Ensuite, un cube comme ça. Ok. Hop. Ici, ce sera ceci. Là, ce sera ceci. Encore une fois, ceci. Et là, on pourra reprendre une ligne classique. En tout cas, pour quelques temps du moins. Comment je vais relier ça au centre? Tout bêtement comme ça. Voilà. Ce qui veut dire que ce cube-là n'est pas forcément le meilleur. Hop, quoique, quoique, quoique. C'est surtout ici que ça fait un truc bizarre en fait. Du coup, est-ce que je peux pas remplacer ce cube-là par ce cube-ci? Ça réduit peut-être un petit peu l'effet, effectivement. On y va. On est à combien? On est à 618 CPU pour deux armes, déjà. Donc, c'est pas magique. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme armement qu'on pourrait mettre? Moi, j'avais l'intention à la base de mettre ça. C'est histoire de lui donner un petit peu plus de corps. Mais je pense qu'on pourrait peut-être lui mettre aussi deux comme ça. Je sais pas trop comment je peux les placer. Trop loin, trop grand, trop loin. Ok, c'est noté. C'est noté, c'est noté. Alors
Alors dans ce cas-là, il faudrait que j'aille peut-être un petit peu plus bas encore. Hop. Hop, allons-y. Prenons le large. On peut quand même remplir le centre. Est-ce qu'ici ce serait mieux pour placer par exemple les deux SMG? Falloir que je mette tout ça. Alors je vais regarder à quelle distance je peux en mettre une déjà. Apparemment je peux les mettre plus près si je les mets dans ce sens-là. Donc je vais la mettre là pour le moment. Alors question, est-ce que je gagne de la place, imaginons, si je supprime ça, et que je les mets dans le sens comme ça? Est-ce que par exemple avec ça, je gagne peut-être un petit peu de place? Je gagne au moins un cube quand même, hein. Donc vous voyez, ça peut être intéressant. Ok. Merde, je suis descendu d'un cran, j'ai pas fait gaffe. Ah, hop. C'est pas grave, hein, je prends la distance nécessaire, hein, c'est tout. Hein. Donc là... Merde, je suis en contact avec ce truc-là. Donc il aura peut-être fallu un cube de plus. Hop, j'aurais dû replacer l'autre, c'est pas grave. Ah mais du coup, je suis en contact avec... avec ces deux-là. Qui se gênent entre elles. Et là-bas, j'ai de la gêne aussi, apparemment. Bah non, ça passe bien. Du coup, les deux se gênent entre elles. Donc pour l'instant, c'est pas la meilleure des idées que j'ai eues. Ok. À l'arrière. À l'arrière, on va quand même déjà commencer à placer un petit peu de heal. Je sais plus comment je voulais... Ah oui, je voulais les placer en dessous. Exact. Du coup, ça m'oblige à... re-remplir ça. Je sais plus comment je voulais faire. Pourquoi il y avait un truc... Il y avait un truc particulier ici, mais je sais plus c'était quoi. Merde. Réfléchis, Marcus. Réfléchis. Fais comme Jimmy Neutron. Réfléchis, réfléchis, réfléchis. Hop. Pourtant, ça colle comme il faut. Là, c'était normalement un cube de ce genre-là. Parce que j'y ai un minimum réfléchi, hein, chers amis, avant. Hein. Alors, non, c'était pas ça. Qu'est-ce qu'il y avait ici? Comment je faisais mon angle? J'avais prévu de faire un truc. Ce serait pas ça? Ce serait bien ça. Merde. Ici, ici, ici. Ce serait bien ça. Bon, hormis que celui-là est mal placé. Et qu'il le sait probablement toujours. Il faut que je mette un cube ici. Merde. Non, c'est ça, c'est bon. Ok. Hop. Et ici, du coup, j'avais prévu de remettre un machin comme ça, si je me trompe pas. Voilà, c'est ça, qui me permettait de refaire ça, c'est ça. Ok. Bon, c'est pas ça le problème, si je puis dire. De toute façon, il va falloir qu'on revoie tout le dessous. Et tout ça me prend beaucoup trop de cubes. Hop. Ok. Hop. On va les placer en 3.
Ah bon, pourquoi je peux pas en placer un là? Merci. Ce qui m'en fait deux pour l'instant, je crois qu'on avait dit que c'était suffisant pour l'instant. Ok. Ça s'est rendu un peu plus solide. C'est pas comme ça que je l'avais vu ce robot. Merde! Je sais plus. Il y a un truc qui est pas comme je l'ai pensé. Pourtant ça passe. C'était pas censé être plus haut. Je sais plus. Je regarde juste si ça passe plus haut. Hein. Pourquoi tout à l'heure ça passait et là ça passe plus? Parce que je me suis trompé d'un cube. Ok, c'est cool. C'est cool, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Hop, voilà. Mais alors du coup, est-ce que ça passait là? Je me rappelle plus, il y avait un truc auquel j'avais pensé. Mais je me rappelle plus c'est quoi. Mais je ne me rappelle plus c'est quoi. Donc c'est pas celui-là, c'est pas celui-là. Donc ça devait être celui-là. Voilà, et normalement je devais pouvoir en mettre. Donc c'était ça? Ok. Bon, bah, si tu le dis. Je vais quand même solidifier l'endroit. On va lui mettre ce que je vais appeler une spines. J'ai bien dit ce que je vais appeler spines. Hop. Ce qui va rendre. Ouais, c'était ça. C'était ça. Il y avait un truc comme ça. Pardon, excusez-moi, je viens de taper dans le micro. Ça devait être un truc dans ce genre-là. Ça rendait la partie centrale encore plus solide. Ce qui était nécessaire vu qu'on avait besoin de. Vu qu'on avait. Comment ça s'appelle? Ce cube-là. Qui venait relier les deux parties. Ça devait être un truc dans ce genre-là. Problème, c'est que faudrait que je note tout ça, chers amis. Je sais bien, je suis désolé. Je suis désolé. Il faudrait que je note. Au moment où je le fais. C'était même un cran plus tôt, je crois. C'était un cran plus tôt qu'on commençait. Et c'était ça. Voilà. Et normalement, les cubes vont venir s'agencer tout seuls. Hop. Le début de la spine. Voilà. Et normalement, ça m'indiquait. Voilà, la taille basse, normalement, un truc comme ça. Je sais plus. Je sais plus où est-ce que j'en étais à ce moment-là de ma réflexion. Hop. Ok. Je les place. Donc normalement celui-là, je le place pas. Et celui-là non plus. On check it out. Check it out. On check it out. C'était celui-là ou c'était celui-là? C'était forcément celui-là. Ok. Peut-être moyen de le ravancer d'un cube. Il faudrait que je supprime la spine ce qui est là. Oh. Vous m'y avez fait croire. Vous m'y avez fait croire, bande de saligauds. Ok. Non. Pas dans ce sens-là. Celui-là, c'est mieux. Ok, c'est bon. Et du coup. Ouais, c'est ça, c'était ça. Ok. Ok. Comment j'avais prévu le retour? Ou alors, ce que je peux peut-être faire, tout bêtement, au niveau de l'armement, j'ai deux anti-aériens. Ce qu'il me faudrait, c'est de l'armement. Ouais. Ouais, on va essayer ça. On va essayer ça. Blablabla. Oui, centre de masse, je sais qu'il est bien à l'arrière, faudra que je fasse très attention. Hop. On a encore plein de CPU. C'est normal. Normalement, on devrait pouvoir même être à même de caler quelque chose de sympa. Il me semble que je voulais le caler là dans un espèce de cercle. C'était ce que je voulais caler, c'était ceci. Ceci, pardon. Qu'on n'a pas encore trop utilisé. Je sais plus, normalement il est sur une base de 3. Hein. Voilà, on se trompe pas.
Du coup, comment je voulais le caler déjà? Comment je voulais le caler? Il me semble que c'était un truc dans un truc comme ça. Je sais plus. Falloir que je retrouve comment je voulais le faire, celui-là. Hop. D'accord. Ou alors c'est un truc comme ça, je sais plus. Vu que je les utilisais pas, j'avais pensé à un truc dans ce genre-là. Ah, ils sont sur des bases de 2-2. C'est rigolo. Bon, on verra ça tout à l'heure. C'est décevant, mais c'est rigolo. Peut-être moyen d'en sortir quelque chose de ce truc-là aussi. Peut-être moyen. Attendez. Faisons un testicule. Faisons un testicule. Est-ce que je pourrais pas caler? Et ça atterrit où? Merde, ça atterrit un cran trop bas. Fait chier. Et j'ai rien qui pourrait. Faudrait que je les inverse. Et normalement, là, ça va vers le centre. Ouais! Là, ça me plaît un peu plus. Là, ça me plaît un peu plus. Je vais supprimer ce que j'ai fait là, qui n'était pas joli à regarder. Je vais peut-être réagencer ça, du coup. Non, ça c'est le même agencement. Hop. Ok. Ici, d'un point de vue joli, c'est pas celui-là qu'il fallait que je mette. Bah si, pourtant. Non, c'est pas celui-là. C'était celui-là. C'est ça? C'était celui-là. Ok. Donc du coup, ici, ce que je peux faire, c'est rajouter ça. Ce qui augmente l'armure ici. Et de toute façon, je vais pas pouvoir remonter bien haut. Mais c'est pas grave. Hop. Parce que l'avantage, c'est que ça s'est fait des deux côtés, par contre. Ça, clairement, ça va bien nous aider. Ici, si je peux, je vais en ramener un maximum. Voilà. Ici, pareil. Qu'on puisse avoir une bonne surface. Mais par contre, ça c'est très très moche, je trouve, hein, honnêtement. Est-ce que j'ai pas un truc que je peux faire, genre ça? Oh. Oh, ça me plaît. Ça me plaît, vu que je les ai pas utilisés du tout, ces trucs-là. Enfin, jusqu'ici, en tout cas. Hop. Voilà. Cependant là, on n'a qu'une seule... Malheureusement qu'une seule surface, du coup on va devoir en rajouter. Voilà. Et donc si possible, j'aimerais bien essayer de revenir par-dessus. Peut-être que ce serait pas si mal. Visuellement. Alors, je vais essayer quand même, hein, du mieux que je peux. Du mieux que je peux. Hop, allons-y. Hop. Faisons comme une espèce de navette. Par-dessus. Voilà. Et on va essayer de dispatcher dessus quelques... Hop. Voilà. Alors ça, c'est pour essayer de protéger les trucs arrondis. Même si je sais qu'ils sont normalement assez tanky. Je préfère éviter de prendre des risques, si je puis dire. Voire même, attendez. Ouais, pour ça on verra. Pour ça on verra. Vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi. J'ai une petite idée là-dessus. Le
sommes déjà à plus de 1000 CPU, il va y avoir temps de réagir niveau armement. On y va. Pourquoi pas là? Mais t'es où? Pas là! On n'est pas bon niveau armement ici. Falloir qu'on règle tout ça. Pas fan de ce que j'ai fait là. Ah voilà pourquoi je suis pas fan. Parce que ça ne passe pas. Ici ça passe. Et forcément. Oh ça passe. Cool. Cool cool cool. Du coup est-ce que je peux pas par exemple continuer légèrement. Essayer de séparer un peu les armements. Ce qui va en plus rapprocher le centre de masse vers l'avant si je les place comme ça. Hop. Imaginons, je veux mettre mon armement ici. Ça passe ou pas? Ça passe ou pas? Alors, je peux même essayer de les mettre comme ça. On va reprendre les cubes classiques parce qu'ils n'ont rien y voir. Voilà. Hop. Crac. Ah, il m'en a mis qu'une encore. Hein. Une, deux, trois. L'objectif, ça va être de réussir à en placer une par là, mais elles se touchent entre elles. Voilà. Hop. Ça, c'est un peu mieux. Alors, par contre, le centre de masse, je me demande s'il bouge ou pas, hein, parce que faut peut-être pas exagérer non plus. Il y a quand même 5 armes devant. Enfin bon, c'est pas pour ça qu'on est là. Je voudrais aussi voir un truc vis-à-vis de ces trucs-là. Ça fait bien la pente, on est d'accord. Donc ça m'intéresse. Regardez. Comprenez pourquoi? Je suis sûr que si j'en place là, je peux surélever un petit peu. Par contre, j'ai que des right. Ça va faire un long vaisseau, par contre, un long robot. On va bien voir. Je vais quand même marquer les emplacements. Hop. Il me semble que c'était là ou là. Je ne sais plus. Hop. Crac. Alors apparemment celui-là j'en aurais pas besoin. Faudrait juste que je revoie avec ça. Hop. Ouais ça me bousille un emplacement quand même. Ouais c'est parce que j'ai pas l'autre. En fait tu me proposais le placement. Mais j'ai pas l'autre. C'est ça. C'est ça. Ok bon bah c'est pas grave on oublie cette idée alors. Ça, ce sera pas une idée non plus. On va arrêter avec ces cubes là, par contre, ça va pas le faire sinon. Crac. Non, c'est pas le bon sens. C'est pas la bonne couleur non plus. Hop, voilà. Crac. Parfait si ça passe pas. Hop, c'était celui-là.
C'est ça. Crac. Alors forcément l'épisode va être super long parce que je voulais que ce soit court. C'est pas grave. Tiens, tiens, petite question. Voilà. Petite question, est-ce que ce cube-là, par exemple, pardon, ce cube-ci pourrait aller de manière pertinente ici? Enfin, je rajoute un cube là pour le placer comme il faut. Pourquoi est-ce qu'il n'y va pas? Qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce qu'il veut pas? Qu'est-ce qui l'en empêche qu'on nous explique? Ah, d'accord. Ok. Donc ça va empêcher tout. Ok, donc c'est pas la peine. Ici, il sera très mal placé. Mais si je le place ici... Si je le place ici comme un point d'emport. Attendez, 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 attendez. Il y a peut-être une idée là qui germe. Il y a peut-être une idée qui germe. Hop. Je suis quand même censé avoir ces trucs-là d'actifs, hein, Marcus. Fais gaffe quand même. Fais gaffe quand même, Marcus. Ça devrait être faisable. Donc déjà, d'une, c'était là. Ça devrait être faisable. Voyons voir. Voyons voir, chers amis. On pourra peut-être même reculer le truc de 1 et ça va la surélever, ce qui peut être assez pratique. Commençons par ça déjà. On va placer ces cubes-là. Hop. C'est bon, ils étaient déjà placés, Marcus. Réagis, réfléchis. Hop. Tu places le cube comme ça. En plus, ça passe de chaque côté parfaitement, ce qui est assez cool. Hop. On va voir, chers amis, hein. C'est qu'un test, hein, je rappelle, hein, mais pour l'instant, moi, ça me plaît comme test. Ok. Normalement, crac. Ou alors je peux même placer les gros. Visuellement, qu'est-ce qui claque le plus? Les gros. Oula, pas dans ce sens-là, Marcus. Dans ce sens-là, parfait. Mais j'ai pas de point d'emport au-dessus. Merde! Comme ça j'en ai un. Comme ça j'en ai un. Imaginons. Crac. Et là ça passe. Et il est surélevé. Ouais, ça me plaît. Ça me plaît parce que ça peut me permettre aussi un peu plus loin de mettre un autre canon un peu plus en dessous. Donc ça me plaît. Hop. Non, c'est ce cube-là que j'aimerais. Tu t'en doutes. Voilà. Crac. Et nous avons l'extrémité de notre robot. Si je puis dire. Hop. Comment je vais gérer cette histoire de déportement avec ces cubes-là? Hop. Ok, c'est bon. Donc ici, ce sera des cubes classiques. Hop. Voilà. Et on a un vaisseau de combat pour l'instant. Ce qui n'est pas du tout ce que je voulais faire à la base, mais j'ai pas eu le déclic constructif si jamais, si je puis dire. J'ai pas eu le déclic constructif. Pour le moment en tout cas.
pense que vous allez apprécier la suite. Ce qui m'emmerde juste, c'est juste la durée de l'épisode, par contre. Ça, c'est une catastrophe. J'avais dit que je ferais un effort au niveau des durées. Et pour le coup, ça ne passe pas. Non, c'est ce cube-là qu'il me faut. Surtout que pour l'instant, on n'a pas encore de pièces de mouvement du tout. Hop. Ok. Et donc, le centre de masse, où est-ce qu'il est allé? Il a disparu. Comment se fait-il que centre de masse... Alors le problème c'est que je sais plus du tout, chers amis. On va aller vérifier ça. Je sais plus du tout la touche pour le centre de masse. Oh, la touche O. On vérifie quand même. Alors le problème c'est ça, c'est que est-ce que ça va être ma touche O? On verra bien. Ah, centre de masse, il est apparu, il est là. Ok. Ok, ok. Donc ce qui veut dire que mon mode de déplacement, je devrais le mettre à partir d'ici. Ce qui ne m'arrange pas des masses, sauf si... Hop. Sauf si vous êtes malin. J'aimerais voir si ce cube passe ici. Oui, il passe. Parfait. Et un cube comme ça, ça passe ici? Non. Et un cube comme ça? Oui, parfait, je prends. Hop. Donc ce qui veut dire qu'ici... Alors maintenant il faudrait que je regarde, j'espère que ça va passer comme il faut. Combien de flops? 100 flops! Ah la vache, je pensais en mettre 4. Merde, je pensais en mettre 4. Ah oui, du coup ça pue du cul. Du coup, ça pue du cul. Est-ce que je peux même pas en mettre une autre, en fait. Est-ce que je supprime le heal? Est-ce que je supprime le heal? Pour au moins en mettre une de plus, quoi. Est-ce qu'il marche comme ça? Est-ce qu'il se déplace? Est-ce qu'il est... Bon, il a une drôle de tronche, hein, clairement. Ah, puis ça veut dire que je pourrais pas placer les cubes que je voulais aussi. Donc ça, ça passe. Ça, ça passe. J'ai du heal. Et j'ai mon EMP. Donc tout ça, ça passe. Donc ce qui veut dire que j'ai plus beaucoup de points du tout, en fait. Tout simplement. Ça m'embête un peu. Ça m'embête un peu parce que je voulais mettre de la protection devant ça. Et que du coup, je vais pas y arriver. Ah, ça passe pas, ça, d'accord. Ok. Diagonale, diagonale, diagonale. Nathanos, robot CPU, d'accord. Bon. Il est temps de faire un petit peu de cure d'amaigrissement, d'amincissement, ou dites ça comme vous voulez. On a gagné quelques cubes. Je sais, je sais, je sais. Il faut juste que je vois jusqu'où je peux les mettre. Et ça va peut-être même être plus efficace comme ça. J'ai pas grappillé grand chose. Je ne vais pas grappiller grand chose, je vais même rien grappiller du tout. Merde. Merde, merde, merde. Bon, on va essayer quand même. On va y aller petit à petit. On va essayer de grappiller un petit peu le nombre de points qu'on pourra.
Et on verra ensuite. Tant pis. Hop. Crac. Voilà. Ce qui veut dire qu'ici, ce ne seront plus que des cubes comme ça. Hop. Par contre, j'aimerais bien que tu sois honnête envers moi quand je mets mes trucs. Merci. Alors, est-ce que je peux pas gagner un petit peu d'espace? Ah non. Non, je peux rien gagner du tout. Hop. Je peux rien gagner du tout. Ok. Donc on est resté à 45, hein, comme vous avez pu le remarquer. Ce qui m'embête complètement. Tiens, celle-là est mal placée. Celle-là est plutôt mal placée, mais elle va avoir du coup une protection supplémentaire. Du coup, je peux peut-être la laisser. Ah, c'est 100. 100, j'arrive pas à croire que ce soit 100. Ça me troue le cul. Ça me troue le cul. Je sais pas où est-ce que je pourrais ramasser un petit peu plus de... de flouze, si je puis dire. En train d'essayer d'y réfléchir, mais c'est compliqué. Ou alors je place une petite. C'est pas la même taille, peut-être. Si? Ah la vache. Toujours pas suffisamment. Ça coûte combien la petite alors? Allez, dis-moi. J'ai pas le droit de savoir. J'ai plus le droit de savoir. Voilà. 86, putain. Faut que je descende encore énormément alors. Hein. De toute façon, ouais, elle serait là qu'en support, si je puis dire. Elle serait là qu'en support. Alors, il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Peut-être moyen de faire quelque chose. Hop. Ça planque derrière, ça me plaît. La santé, il faut que je la remette. Les heals, pardon, il faut que je les remette. Ou alors je réduis les heals. Voilà, voilà où est-ce qu'on va pouvoir gagner un petit peu de place. Est-ce que ça en a mis un de l'autre côté? Est-ce que tu m'en as mis un de l'autre côté? Oui, non, bon, tant pis. J'espère que je l'ai mis tout à l'avant. C'était sur le cube de devant. Il me semble. Ok, donc là on va pouvoir gagner un petit peu de place. Hop. Je vais bien prendre un cube classique, s'il te plaît, parce que ça commence à me piquer les yeux. Non, je peux pas pour l'instant. Je suis pas en jeu. Je répète, chers amis, que c'est à moi, c'est moi qui viens vers vous. Hein. Oh là. Non, j'ai dit. La troisième, c'est le kick. Ou le bloc. Hop. C'est pas la première fois que j'en parle. Attention, chers amis. Hop. Je vous aime, mais il faut faire attention quand même. Hop. Ah merde, j'ai cassé un truc qu'il fallait pas. Ok. Bah, c'est parfait en plus, ça va venir.
Là aussi, j'ai encore cassé un truc qu'il fallait pas. Hop. Crac, on va dire. Ici, ça va être un gros. Ici aussi. Ce qui veut dire qu'ici, je peux peut-être placer autre chose. Genre ça. Puis ça. Et hop, on a une façade arrière, entre guillemets, qui est potable. Crac, et on est bon. Ok, nous sommes donc, nous avons gagné presque 100, plus de 100. Donc ça, c'est cool. Ça veut dire que je peux mettre une grosse. Vous me connaissez, j'aime bien quand c'est gros. Hop. Excusez-moi pour cette vérité. Ah, je peux pas la placer celle-là, pourquoi? Parce que je suis sans doute trop près. Voilà, c'était ça. Ce qui nous donne, si nous donne un robot qu'on n'a pas l'habitude de faire sur la chaîne, un robot à trois pattes. Voilà. On a peut-être quelque chose là. Est-ce que je peux peut-être améliorer encore un petit peu la partie centrale? Peut-être couvrir un petit peu ce que je peux de certains cubes. Hop, ici. Peut-être un cube comme ça, ça passera. Ça passe. Ça passe. Est-ce qu'un cube dans ce genre-là passerait? Oui, parfait. Ce qui va peut-être couvrir un petit peu, en fait, les tourelles qu'on voit ici. Est-ce qu'ici, je vais pouvoir placer quoi que ce soit? Oui, semblerait. Hop, ok. Donc, on a du soin. Alors, j'augmenterai bien d'une... Peut-être d'une... plutôt que je mette ça. Ça passe pas forcément. Ok. Essayons de déplacer d'une. C'est pas grave visuellement si ça passe pas. Enfin à ce moment là c'est pas grave on va dire plutôt. Hop, parce que je peux faire envoyer une deuxième couche. Ah, je pensais que ça passerait. Ah, je suis dégoûté. Ah là, je l'admets, je suis dégoûté, chers amis. Ah, puis le pire, c'est que ça passe de l'autre côté, quoi. Non? Ah bah, j'ai cru. Hop, voilà. Et ici, bah oui, ça passe d'un côté, mais pas de l'autre. Ah, d'accord, ok. Bon, si tu le dis... Si tu le dis, je... Bah, ça faut savoir que ça peut faire... Ça peut bloquer toute une game. Hein. Hop, voilà, je vais placer ça comme ça, c'est pas grave. Tout ce qui compte, c'est d'avoir un cube en plus. Si je peux en rajouter un ici de chaque côté aussi, ça peut être cool. Ok, 2000 CPU tout rond. On y est, chers amis. Ok, bon. Comme en plus avec la dernière mise à jour, ceux qui sont à 2000 ont un peu plus de commandes... D'équipement, enfin comment, d'énergie qu'avant, c'est pas trop mal. Ok, bon. Bah, je pense qu'on va aller le tester, chers amis, rapidement. On va aller le tester rapidement, je pense, en TDM, tiens. Je pense qu'en TDM, il peut être sympa. On va bien voir s'il est solide ou pas. S'il est... Je pense pas que. J'arrive pas à faire des robots solides, moi, chers amis. On va bien voir, hein, mais j'arrive pas à en faire. Du coup, on va bien voir si oui ou non il l'est. Cet épisode dure donc à peu près déjà 40 minutes. Je pense, minimum. Donc ça pue un peu du cul. Ah, j'ai dû avoir un cheveu sous le tapis de souris, c'est dégueulasse. Enfin, c'est dégueulasse, parce que enfin, c'est chiant parce que ça fait frotter la souris, violemment. Voilà, c'est bon. Hop, désolé pour le vomi. Crouch. Y a-t-il des ennemis volants?
suis mauvais. Aïe. Ah par contre, il peut pas y avoir trop de monde sur moi. Hop. Hop. Finis-le. Hop, et de 1. La vache, l'énergie qu'elles prennent. Hop, de 2. Merde, j'ai pas réussi. Merci pour le heal. Je me fais sniper par quelque chose. Putain, mais je me fais sniper de par où? Là-bas. Il a pété mes jambes, c'est ça? Ah la vache. C'est quoi? C'est un avion sniper. Alors ça, je suis pas d'accord. N'importe quel sniper vous dira... Pour pouvoir sniper correctement, il vous faut... Il vous faut avant tout... Un bon appui. Alors là, je suis pas du tout d'accord avec ce principe-là. Hop, bouffe. Aïe, 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 aïe. Les snipers, ça fait mal, on recule. Hop. J'arrive les filles. Hop. Merde. Il vise les jambes. Même à moitié mort, je t'aurais. Voilà, je te l'avais dit. Même à moitié mort, je t'aurais. Évitez de donner les kills, les mecs. C'est le sniper qui nous a. Hein. Merde. Je me fais shot par autre chose. Je me fais shot par autre chose. Hop, voilà. Par contre, faudrait éviter d'aller donner les kills. Hein. Je sais pas qui c'est qui donne, mais... Butaref. Bah d'accord, bien. Ok. Oh là là. Mais oui, mais c'est dégueulasse d'avoir des robots pareils. C'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Je suis désolé, mais là c'est vraiment dégueulasse. Un robot qui a ça comme CPU, un heal qui va ruiner notre game, quoi. C'est dégueulasse. Je suis bien content que tu viennes pour heal, mais enfin bon, c'est pute. GG. Allez, dépêche, reste pas dans les angles. Tu peux te faire shot. Alors, notre robot est bien. C'est dommage qu'on soit avec ce genre de robot, quoi. Ce qui se fait one shot avec un snipe, quoi.
Mais non, mais pourquoi tu vas en front? Ah, je me suis trompé d'arme là. Mais non, mais putain, mais il sert à rien. Il sert véritablement à rien. Hop. Mais non, n'y va pas. Mais putain, mais tu sers à rien. Il va se faire one shot. Voilà. Tu veux bien revenir? Putain. Faut vraiment être débile. Voilà, ça t'apprendra. T'as du soin? Oh non, mais c'est perdu parce qu'on a... Allez! Mais merde. D'huile? D'huile, je serai preneur. Faut vraiment arrêter de donner. Hein. Putain, il y en a un, il a 8 kills donnés, quoi. Ils sont à 8 kills donnés chacun. C'est écœurant, c'est écœurant. Encore que je pensais à ça là. Ah bah voilà, il est encore parti au cac. Il a pas à faire ça, ça m'énerve. Il a pas à faire ça. 8 kills donnés quoi. Merde, il est trop rapide. Putain, il le couvre. Oui, bah oui, je veux bien. Moi, je veux bien abandonner parce que là, on a deux trous du cul avec nous. Et enfin, 9 kills donnés. Pff, regardez ça, 9 et 8. Bon, bah le robot est pas mauvais. Notre robot est pas mauvais du tout. Peut-être pas aussi tanky que je l'aurais voulu, mais pas mal. On verra donc à la longue avant de vous le donner. Ou alors je le mets tout de suite en vente et vous verrez vous-même si vous le voulez ou pas. Parce qu'il doit coûter assez cher, hein, quand même, malgré tout. On n'est pas aidé. Hein. Ah, j'ai deux crates. Pourquoi? Ah, ça doit être la crate du jour que j'ai pas récupérée, bizarrement. Ok. Bon, bah écoutez, pourquoi pas. Bah, je vais le mettre en vente, chers amis. Hein. On va le mettre en... c'est pas ici, je suis trop con. C'est ici. On va l'appeler comment? Au robot. Frégate. Tripod Marcus Marcus bonus playroom comme vous vous en doutez. Hop, voilà, crac, je mets ça et vous le prenez si vous voulez. Frégate tripod, voilà. Ok, et eh bien écoutez, chers amis, du coup merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus bonus dans la playroom. À plus pour d'autres aventures. Salut les gens et yo.